13 en moyenne dans les 250 livres. Voilà, beaucoup de travail pour notre cowboy une fois au sol. Sans de vrais barrières installées devant notre cowboy, Stuart Couliger. On prend place et on attend son signal. Regardez bien le travail également de la voiture lorsque le cowboy se lance. C'est bon, c'est bon! On a effectué le tout en un temps de 11,6, 11,6 pour Stuart Couliger. Un bon applaudissement, Stuart Couliger. Excellent travail du côté de la monture. Vous avez vu que la monture a gardé de tension sur le morceau. Tout le monde dit aussi longtemps que le cowboy a travaillé au sol et c'est très important. Ça permet justement au cowboy d'aller plus rapidement dans son travail sur le niveau au sol. On va souhaiter que le cowboy est sacrifié. Exactement, son nom David Le Verrier. Vous avez remarqué qu'une fois à l'intérieur de la chute de départ, on place cette corde. On appelle cette corde la barrière. C'est le veau qui déclenche l'ouverture de cette barrière. C'est le cowboy qui déclenche la barrière avant le veau. 10 secondes de pénalité sera ajoutée à son temps final à chronométrer. Alors, bon synchronisme est nécessaire dans cette discipline. On sent bien placé en attendant le signal de départ de David. Voilà! Heureusement, le plus capté correctement. Que allez-vous lui donner pas mal de temps de monde pour son effort, son nom, David Dernier. On se prépare maintenant pour le prochain cowboy dans cette discipline. Il sera jumelé avec le 1863. Son nom, Cody McCartney. Il vient de Ottawa Lake, Michigan. On va aller dans le cas de notre cowboy, Cody McCartney. 1863, jumelé avec le cowboy ce soir. Nous aussi que nos cowboys sont capables d'abaisser cette marque. On les surveille. Bien attentivement, ce cowboy, Cody McCartney, sera l'année prochaine. Bien attention de briser la barrière si jamais on la brise. 10 secondes de pénalité.